Arrête de jouer, Blanche. Finis ton déjeuner. C'est bientôt l'heure de partir à l'école. Papa! L'institutrice, elle nous a parlé de M. Richard hier. Ah bon? Elle a dit que c'est vous qui le surveillez à l'asile. Ouais, c'est vrai. Puis elle a aussi dit qu'il était fou. Ah! Tu sais, Blanche, des fois, les gens qui sont différents, ils ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'on les amène à l'asile. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on est différent qu'on est fou. T'as raison, Blanche. Mais est-ce que tu te souviens déjà? Les petits oiseaux... J'ai attrapé 3 petits oiseaux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey! Tu sais très bien que t'as pas le droit d'être ici. Ah ouais? Debout! Debout! Bonjour, M. Orion. Vous allez bien aujourd'hui? Bonjour, Joséphine. Bonjour, Jean. Bonne journée. Avec M. Richard, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il est vraiment très différent des autres patients. Je l'aurais dit que c'était pas moi! Ben non, Blanche. Monsieur Richard, il est pas aussi fou que tu t'imagines. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui parle vraiment bien. C'est même un poète. Bonjour, Richard. Comment ça va aujourd'hui? Honnêtement, je me porterais beaucoup mieux ailleurs qu'en ces lieux. Écoutez, Richard, essayez d'être un petit peu raisonnable, là. Toi, le gentil geôlier, peux-tu seulement me dire pourquoi on m'emprisonne ici? Fait qu'il y a pas de raison pourquoi aller là-bas! Les gens l'accusent d'avoir fait des choses vraiment horribles. Comme quoi? Des choses pas très chrétiennes. Mais t'es un petit peu jeune pour qu'on parle de ça. Bref, c'est ça que les gens disent, mais moi, je suis pas sûr qu'ils soient coupables. T'es encore en train d'écrire dans ton calepin. Dans cette prison, l'écriture, c'est mon unique évasion. Les fous, ça fait pas de poésie. À l'évidence, les fous sont pas tous enfermés. Philippe? Mère Joséphine, c'est moi qui ai donné le calepin à M. Richard. J'aimerais ça qu'il garde. Vos poèmes sont très beaux, Richard. Ce serait magnifique accompagné par de la musique. Accompagné par de la musique? Tu penses? Mais moi, la musique, je connais rien, absolument rien là-dedans. Moi, mon art... C'est les mots. Dieu m'a envoyé un signe, Blanche. Il me donne l'occasion de prouver l'innocence de cet homme-là. Est-ce que tu comprends? Bon. Il faut que j'y aille. Tu travailles fort, OK? Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Vous êtes pas musicien? Non. Je
jurez-le devant Dieu. Je suis pas plus musicien que je suis coupable. Ça, je jure devant Dieu. Écoutez, Richard, moi, je vous crois pas fou. Pas plus que je vous crois meurtrier. J'ai apporté mon violon. Vous allez en jouer. C'est Dieu qui vous donne une deuxième chance. Et c'est garde Joséphine qui va être votre témoin. Dieu va s'exprimer à travers vous.